La diplomatie agissante que mène le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi produit des fruits. Des investisseurs affluent dans des cabinets ministériels. C'est dans ces cadres que le vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Claude Molipé-Mandongo, a reçu dans son cabinet de travail une délégation des investisseurs des Émirats arabes unis venue apporter son expertise dans le domaine de la sécurité. Nous avons eu l'occasion de présenter effectivement nos possibilités de financement des projets de l'État et également recueillir effectivement ses conseils et ses orientations pour voir dans quelle mesure nous pourrons être un partenaire stratégique, mais un partenaire qui investit dans un esprit de gagnant-gagnant pour le Congo que nous aimons tant et pour également Ejigo. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par le vice-ministre ce matin à l'occasion de pouvoir apporter notre expertise et accompagner l'État dans ses efforts de développement. Nous avons recensé et passé en revue tous les projets établis par le ministre et par le chef de l'État, toujours dans l'optique de l'accompagner afin de réaliser. Nous savons tous que le Congo est un grand pays avec de fortes potentialités et par conséquent, il a besoin d'appui de partenaires extérieurs afin de l'aider dans sa dynamique de développement. C'est en ouvrant grandement nos portes que nous matérialisons la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui ne jure que pour un Congo fort, a indiqué le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé-Mandongo, qui a loué l'initiative de ses investisseurs, venus, dit-il, dans un champ promoteur et plein d'opportunités au centre de l'Afrique, qui est la République démocratique du Congo. Notez que la délégation congolaise est attendue à Dubaï dans le prochain jour afin d'approfondir les discussions et la matérialisation de ces différents projets de développement.